Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour les tirages du mois de décembre 2021. Donc, tirage général. Après ces tirages généraux, il y aura les tirages sentimentaux. Donc, on va déjà regarder quel signe sera aujourd'hui. On fait un tirage au sort donc pour le mois de décembre 2021. Alors, quel sera le signe? Ah, les Capricornes, bonne nouvelle. On va voir ce qui va se passer pour les Capricornes en décembre 2021. Pour Capricorne ascendant et lune en Capricorne, ce sera votre tirage de décembre. On a une information toujours sur ces cartes. Oh, on nous dit de percevoir le succès, d'accord? Donc visualisez, percevez le succès, voyez la réussite. Des bons conseils. Et puis, on nous parle d'une date, 10 semaines, 10 mois. Ces dates peuvent vous parler, peuvent résonner, peuvent être en rapport avec quelque chose que vous vivez. Elles vous donnent une information. Et ça ne tombe jamais par hasard. Voilà. Donc, premier message. Ensuite, restez jusqu'à la fin parce que vous allez avoir un message des fées ainsi qu'un message du jour. Donc, qui est en rapport avec la journée où je fais le tirage. Donc, on est Sunday. Je vous dirai votre message tout à l'heure. Et on va regarder d'abord des messages de guidance, quelques énergies pour ce mois de décembre. Puis je ferai un tirage avec l'aura du sixième sens recouvert et un petit tirage sentimental. Puis restez jusqu'à la fin pour les conseils. Merci de vous abonner aux guidances de Shiva. Merci pour la chaîne, pour vos commentaires en retour, c'est très appréciable. Pour votre soutien de ces derniers jours, merci beaucoup, beaucoup. Et puis, cliquez la cloche si vous vous abonnez pour recevoir toutes les vidéos. Pour vous, c'est gratuit, mais moi, ça me soutient. Et nous, les collègues aussi. Alors, on va demander pour les Capricornes, décembre 2021, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Capricorne, décembre 2021, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Capricorne, décembre 2021. Capricorne, décembre 2021. Capricorne, décembre 2021. Capricorne. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Alors oui, on vous voit que vous êtes effectivement dans une énergie un peu de peur, de doute, de pas trop savoir où aller. On a l'air de voir des Capricornes un petit peu enfermés dans une cage, hein, enfermés. Enfermés, oui, par rapport à des insécurités peut-être que vous pouvez vivre. On voit attrapés par la peur. Vous avez certaines peurs qui seront présentes, c'est ce qu'on nous dit, mais qu'il vous faudra garder espoir parce que ces peurs peut-être sont réelles, elles ont une cause réelle, mais il vous faudra vraiment garder espoir. Ça va pas être facile vu que pour moi aussi c'est pas évident. Alors on peut avoir des peurs par rapport effectivement à des manques financiers, à perdre son travail, à perdre sa relation de couple avec qui on est depuis très longtemps. Il y aura une situation qui vous mettra pas forcément dans les meilleures conditions, bien sûr. Alors je vais dire aussi, prenez pas tout dramatiquement parce que quand on relativise, les choses sont différentes. Mais vous serez pas, on va dire, au mieux de votre forme. Il y a des situations qui vont vous angoisser un peu ce mois de décembre. Par contre, d'avoir ça comme carte derrière, magnifique pour les Capricornes, on dit tout de suite, alors, ne sois pas dans la peur, ne sois pas dans les doutes. Ok, c'est une émotion, bien sûr, que tu vois, laisse-la passer, laisse-la pas prendre toute ton énergie. Mais regarde ce qu'il y a derrière. Parce que grâce à ta persévérance et puis à la confiance en la vie et l'espoir qu'on nous dit, regarde, la lumière va se faire. La lumière peut-être de choses cachées va se faire, va mettre les choses cachées à la vue de tous, va mettre les difficultés en lumière pour qu'elles puissent être réglées. On nous dit d'avoir l'espoir. D'accord? Donc vraiment gardez espoir, ne vous laissez pas envahir par des sentiments de peur qui pourraient vraiment être présents. Ok? On va voir ici deux messages angéliques. Alors, pour les Capricornes, ascendant et lune, pour le mois de décembre 2021, Capricorne, décembre 2021, Capricorne, décembre 2021.
Oui, ils m'ont des informations. Unlikely, j'ai toujours dit que je l'enlevais parce que je ne savais pas comment la traduire. Et il y a l'abondance qui arrive. Il y a, j'irai une moitié de moi, une moitié de moi. Donc, novembre, il faudra passer peut-être dans l'attente et la patience. Décembre, vois qu'il faut garder l'espoir. Vois qu'il manque des informations qui peut-être justement font qu'il y ait une attente. On nous dit. Où tu vas recevoir plus d'informations, tu vas recevoir. You will get more information. Tu vas recevoir plus d'informations. Et puis, a priori, il y a de l'abondance qui rentre. Il y a de l'abondance qui arrive. Par quelque moyen que ce soit. Est-ce qu'il y a des solutions qui vont se résoudre par rapport à vos peurs? Tout à coup, il y a des choses qui vont se débloquer vu qu'on vous dit d'avoir l'espoir. Tu vas avoir des informations, tu vas avoir la lumière sur une situation et tu vas visiblement recevoir de l'abondance. Moi, je pense que c'est en rapport ben, avec les finances, l'abondance peut-être au niveau du travail, plus de clientèle, l'abondance d'amour, d'amitié, de soutien. Donc, c'est positif ici de voir qu'au final, il ne faut pas désespérer. Effectivement, c'est important. On va regarder avec le tirage. Donc du sixième sens, de manière concrète, peut-être un sujet qui parle plus. Capricorne pour le mois de décembre 2021. Capricorne, décembre 2021. Capricorne pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message pour Capricorne en décembre 2021. Capricorne en décembre 2021. Alors, de quoi on nous parle? Waouh! Waouh! Ne désespérez pas, les Capricornes, même si ça paraît totalement l'inverse. Pour vous, peut-être aussi, si vous êtes Capricorne, je vais regarder les signes de terre, les messages. J'ai eu beaucoup de messages en retour ces derniers jours. Je n'arrive même pas à répondre à tout le monde. Il y a la réussite. Donc, les Capricornes, n'ayez pas crainte. Elle est tombée en premier. Vous allez atteindre votre but. Ça paraît totalement bizarre. Capricorne en décembre 2021. Mais on atteint notre but. Oui, on est en train de traverser des difficultés. Donc novembre, décembre. Vous êtes dans une période difficile, a priori, certains Capricornes. Peut-être ça parlera à certains, pas à d'autres. Mais en général, c'est un petit peu ce qu'on nous dit, hein. Garde espoir, tu vas recevoir des informations, ça va éclairer une situation. Pour le moment, tu es dans la peur, tu as des doutes, mais il y a l'abondance qui arrive, tu as la réussite qui arrive, tu traverses des difficultés, la situation va changer de ces difficultés, vous voyez la même couleur, à un ciel bleu azur. Donc, il y a les choses qui s'éclairent, les choses qui s'éclairent pour vous. Et la réussite, ce que vous attendiez, Capricorne en décembre. Capricorne en décembre 2021. Capricorne en décembre 2021. Capricorne. Je vais recouvrir après avec le petit Dizier Oracle qui nous donnera plus d'informations sur ce tirage. On va voir. Donc, il y a des conflits, il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Vous entrez, ouais. Il y aura des conflits possibles. Vous avez là, moi, je vois cette carte. Vous êtes seul contre tous. Il y a une notion, il y a peu de soutien. On a pas mal de monde contre soi. Et on a des conflits avec des personnes. Ok. Mais on retrouve la paix. Il y a effectivement de la trahison concernant l'argent. Bon, le tirage déjà de la semaine passée, pour les signes de terre, ça nous parle toujours de la même chose. Il y a quelque chose, quelqu'un autour de vous, je ne sais pas pourquoi ça sort ça, mais moi, c'est exactement ce qui me parle. Et il y a une personne qui vous trahit, une entité, c'est-à-dire un groupe de personnes qui est faux avec vous. Qui porte le masque avec vous concernant l'argent qu'on vous doit, l'argent que vous gagnez, ou qui font tout pour vous faire perdre votre argent, mais vous allez avoir la réussite et la paix. Donc, vous allez retrouver, vous allez gagner en fin de compte. On va voir les cartes suivantes, mais moi je vois une paix retrouvée, mais ce qu'on nous dit aussi en décembre, il y aura, et c'est peut-être ça qui nous mettra dans la peur. Ce sentiment qu'on vous cache des choses, qu'il y a des personnes qui sont fausses autour de vous, méfiez-vous, méfiez-vous, protégez-vous,
ou même aller, on va dire, plus loin, affronter les personnes qui veulent vous déstabiliser concernant le domaine financier. Il y a exactement ce que je vis. Perte d'argent, mensonge par rapport à l'argent, vol, personne fausse, on vous baisse le salaire. Donc essayez d'adapter votre situation, toujours votre histoire à ce que je dis là, hein. Il y aura des conflits, ça peut être dans un travail, dans la famille, dans votre... Dans, bah oui, par exemple, même à Noël, dans votre famille, des gens qui sont faux, qui vous promettent de l'argent, qui vous promettent, et rien ne se fait. On va voir la suite. Il y a un renouveau qui arrive, peut-être grâce à l'amour. Grâce à l'amour, il y a un renouveau très clair qui se fait, peut-être à la deuxième partie du mois, avec la grossesse. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour un renouveau. Après ces problèmes qui durent, j'ai l'impression, depuis longtemps. Oui, il y a de la manipulation autour des Capricornes depuis longtemps, ça c'est sûr. Mais là, on voit l'amour. Alors, dans un lien d'amour, moi, si je vois... Comment expliquer? Ma situation, c'est un lien d'amour avec une femme qui est malsaine et nos chemins vont se séparer. Ou grâce à l'amour envoyé à ces mauvaises personnes, qui peuvent être hommes ou femmes, la situation va faire que vous allez vous séparer, vous n'aurez plus rien à voir avec cette entité ou ces personnes qui sont fausses face à vous. Voyez? Je vous présente mon petit nouveau qui est en train de miauler là. Donc, est-ce que c'est une relation d'amour? Ou pour moi, cette personne, c'est pas la consultante, hein. C'est la femme. Moi, j'ai toujours eu dans les cartes, dans les tirages, comme personne fausse. On nous dit bien dans ces trois cartes, par rapport à la trahison, vous allez quitter cette situation où la personne va quitter le bateau, va arrêter. Vous étiez ensemble dans cette problématique, vous allez prendre chacun une route en décembre. Alors, la femme, bon, si c'est la consultante, ok, on est bien. Ça veut dire qu'on est en calme, on retrouve la paix, en conflit, on retrouve peut-être l'amour aussi. Donc l'amour de soi et l'amour face aux ennemis, c'est ce qu'on me dit toujours. Et il y a quelque chose qui se profile de naissant. Donc gardez l'espoir que c'est pas par hasard que ça se passe, qu'il n'y a pas un hasard dans n'importe quelle situation. On va couvrir avec le 10e oracle, je vais voir plus en détail. Les Capricornes en décembre 2021. Capricorne, décembre 2021. Capricorne, décembre 2021. Les Capricornes. Bonjour mon petit chat. Vous voyez, c'est mon petit bébé. Il a à peine un mois et demi que j'ai adopté il n'y a pas longtemps. On a trois maintenant à la maison. Capricorne, décembre 2021. Ouais, descendez là. Ellie. Je coupe et on va couvrir pour avoir plus d'informations. Mais je vois qu'il y a une séparation avec de l'amour. Bon, ça peut être une solution. Cette personne peut-être aussi se rendra compte qu'il faut agir avec amour, mais ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup. Alors, une carte supplémentaire sur la réussite. Une carte supplémentaire sur les conflits. Supplémentaire sur les vacances pour les Capricornes. Sur la trahison. Sur l'argent, sur la jeunesse, sur l'amour, sur la femme, sur la séparation, carte supplémentaire sur la séparation, sur la grossesse. Avec ce petit Diziora, comme je dis, il est bien parce qu'il couvre le haut de la carte, mais on a le message du bas de la carte. Donc, vous voyez, réussite, conflit, vacances, trahison, argent. On va voir ici ce qu'on nous dit en plus. Alors, sur la réussite, il y a quelques nuages. Bon, vous devriez avoir normalement une réussite. On vous empêche de l'avoir. Ça va passer. Ça va passer. Donc, gardez espoir. Ça, c'est une bonne chose. Toute chose passe. Bon, ça, je ne peux pas garder ici. Ça, c'est pas ça. C'est Luna. Allez, vous descendez. Hop. Qu'ils aient joué les deux. C'est bien qu'ils sont ensemble. Donc, il y a des nuages sur la réussite que vous devriez avoir qui vous revient.
mais on vous bloque, donc on vous pose problème, donc ça vous crée de la peur, et c'est quelques soucis qui vont devoir passer, et ça va passer, ça va pas stagner. Donc, on devrait s'en débarrasser. Le conflit, on a bien le fouet, on a bien les situations qu'à cause de ce conflit que vous avez avec quelqu'un ou une entité où il y a du monde, vous fait mal, ça peut vous blesser. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter la paix. Vous allez recevoir des nouvelles, donc j'espère, parce que je l'ai dit depuis 2-3 mois, on est tous dans la patience et dans l'attente de ces nouvelles qui n'arrivent pas, il y a du retard. Des nouvelles qui arrivent, qui vont vous apporter une paix. Donc ça veut dire une certaine solution. Ouais, il y a bien des nouvelles aussi qui vont être révélées ou des informations. On va savoir qu'est-ce qui se passe sous ces masques. Qui est ces personnes? Peut-être que cette personne n'en est pas à, à sa première victime. Elle a déjà atteint d'autres personnes, vous voyez? Vous allez avoir des courriers. On va vous informer de certaines choses sur la trahison, sur les personnes fausses autour de vous. Chut. Oui, il y a des problèmes par rapport à l'argent. Alors, vraiment, là, la montagne, effectivement, ça pose problème. Oui. Il y a, comme les Capricornes, vous aimez surmonter les problèmes, il faudra vous battre pour régler des difficultés sur le financier, hein, qui est bien présent. Alors, après un deuil, donc il y a quelque chose qui va se terminer. Alors, j'espère que c'est ces problèmes où il y a des gens faux autour de vous qui vous manipulent, qui vous montrent, qui sont vraiment dans la méchanceté face à vous, face à l'argent peut-être, ou autre, peut-être pas, hein, mais peut-être général aussi. On voit qu'il y a une fin, ça va se terminer pour un renouveau. Heureusement. L'amour, l'enfant, pour moi, c'est être dans une certaine, retrouver une certaine naïveté, une certaine pureté. L'enfant. Peut-être qu'on va retrouver, ou grâce à l'amour de quelqu'un, d'un homme, on va retrouver une certaine, voyez, un amour de soi, un amour pour les autres. Vous voyez, une attitude chez nous, ou grâce à l'amour. Bon, là, je ne vois pas trop, on ne peut pas parler trop de grossesse, mais pourquoi pas aussi. Bon, là, je vois plus une nouvelle jeunesse au niveau amour, c'est possible aussi, un renouveau au niveau amour. Là, il y a la femme, elle est sur l'abondance. Pour moi, je vous dis, c'est une femme. Elle sort beaucoup dans les tirages des Capricornes, une femme malsaine autour des Capricornes qui gère, qui vole, qui ment autour de l'argent. Et même mes collègues le disent. Hein. Donc, regardez si les tirages des Capricornes. J'ai écouté plusieurs tirages, elles disent la même chose. Elles voient une femme, elles voient de la trahison, elles voient de l'argent. Eh oui, il faudra trouver une solution pour se séparer de ce problème. D'accord. Donc ça ne va pas se faire tout seul, c'est à vous de prendre une décision de partir. Vous avez trouvé la solution, comment vous séparer de ce problème? Et puis une chance pour un renouveau. Vous allez avoir un coup de chance. Donc peut-être on va vous proposer quelque chose de nouveau, une nouvelle voie, un nouveau projet qui se met en place, quelque chose de positif, qui est en train d'émerger, qui est en train de se construire, qui est en train d'être en gestation. Donc, il n'est pas encore prêt. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. On va couvrir de quelques cartes sentimentales pour les Capricornes pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez apprécier ces vidéos. Donc, comme je disais, pas de vue, pas normal. Mais j'ai l'impression qu'une des solutions, on nous parle beaucoup d'amour ici. Alors, je ne sais pas comment l'interpréter. Est-ce que cette mauvaise femme n'a pas eu d'amour enfant? C'est ce que j'avais vu sur les lions. Parce que pour moi, c'est une lionne qui m'attaque. Très malsaine. Alors, Capricorne, décembre, en amour. Donc, c'est un petit tirage. Il faudra attendre les tirages sentimentaux qui vont arriver. On nous parle donc que vous n'êtes pas super bien, ouais, souffrant, des soins, un peu, voilà, peut-être la peur aussi. Hein. Vous avez aussi des choix à faire, une situation qui ne vous rend pas très bien. Isolement, déprime, période douloureuse, problème du couple, lassitude. Ok, moi je sens ici que certains couples, vous n'arrivez pas à trouver d'issue malgré vos efforts. On voit que votre partenaire, soit il n'est pas présent, soit vous vous sentez seul. Vous devez faire un choix avec cette personne que vous voyez, mais qui vous
ouais, qui vous rend pas super heureux, plutôt mal qu'autre chose, ou c'est une personne qui n'est pas bien dans sa peau. Ça crée de la lassitude en vous, vous avez une direction à prendre en décembre avec cette personne. Arrêtez, ouais, stoppez quelque chose. Besoin de calme, d'isolement, ou pour les célibataires, il y a une espèce de période assez solitaire. On n'est pas super bien, on doit faire des choix. Bah, des choix, voilà, je vais à la recherche de quelqu'un ou j'attends. Moi, je sens plus ici quelque chose en relation au couple. Il y a des difficultés aussi ici. Et on voit qu'il y a de la lassitude, il y a des conflits, ça n'amène pas grand-chose. Peut-être ce que vous vivez aussi au niveau couple. À voir, peut-être pas pour tous. Des choix à prendre. Vous sentez seul dans votre relation. Ouais. C'est ce que je vois ici pour vous. Alors, votre message du dimanche, on nous dit, il faut que tu ailles à l'intérieur de toi afin d'avoir une nouvelle vision. Donc, méditation, quelque part. Va à l'intérieur, développe une vision. Alors, un conseil pour les Capricornes, décembre 2021. Capricorne, décembre 2021. Un conseil. Bon, végétarien. C'est bien, peut-être changer ma mode d'alimentation. Le fait de manger différemment, d'avoir une diète vous aidera à développer votre force, votre énergie. Capricorne. Tu as besoin d'oublier quelque chose. Tant que tu es en train de ressasser les vieilles colères et les ressentiments, ça n'ira pas. Donc, il faut que tu t'en débarrasses et tu vas trouver que tes vœux vont devenir réalité. Il y a quelque chose que vous devez oublier, que vous devez régler, que vous devez, oui, enlever de votre tête. Voilà, enlever de votre tête. Vous voyez que ça va se régler. En tout cas, pour moi, c'est très parlant. Je ne sais pas si pour vous aussi. Donc n'hésitez pas à commenter ce tirage et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.